Et si on sait quelque chose sur l'eau, c'est que l'eau aime bouger. La séance d'aujourd'hui est inspirée par l'eau et on viendra faire des mouvements fluides, des mouvements du flow, des mouvements fluides. On commencera sur notre tapis. On viendra se mettre debout, les pieds écartés plus que la largeur de la hanche. En 45 degrés, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Les mains sur les jambes, prenons une bonne inspiration. Et à l'expiration, on vient fléchir les genoux légèrement, glisser les mains. Après, courbez le dos, ramenez le menton vers la poitrine et remontez. De petits mouvements comme ça pour réveiller le dos et la colonne vertébrale. Inspiration, fléchissez les genoux. Glissez les mains sur les genoux. Baisse les fesses. Et après, courbe, monte en poitrine et remonte. Quelques fois comme ça. Et petit à petit, on agrandit le mouvement. Et après, la dernière, on vient fléchir les genoux, glisser les mains, descendre un peu plus, comme un squat. Les doigts vers l'intérieur, on vient baisser l'épaule gauche vers le centre, lever la tête, regarder vers la droite. Revenez au centre, baisser l'épaule droite, regarder vers la gauche. Et revenez au centre. Et on va faire ça quelques fois. Le plus fluide, le mieux. Une dernière fois de chaque côté. Et à l'expiration, relâche dans les jambes et viens te pencher vers l'avant. Garde une flexion dans les genoux. Et on va agrandir cette flexion. Au fur et à mesure, on fléchit un genou, on se penche de ce côté, on revient au centre, fléchit l'autre genou dans la jambe et penche-toi vers le côté du genou fléchi. On va aller ensemble, si t'es avec moi, genou droit fléchi dans la jambe gauche, pas vers la droite avec le corps et expiration, fléchis le genou gauche, pas vers la gauche. Laisse les bras tomber et après ferme les yeux. Visualise de l'eau. Ça peut être la mer, un lac, même une fontaine. Et on vient faire le même mouvement avec le torse et le dos. Donc, sway de gauche à droite, mouvement circulaire. La colonne vertébrale adore ce genre de mouvement. Ça vient contrebalancer les postures de la vie quotidienne. On est tout le temps penché devant des ordinateurs ou sur des écrans. Et après, expiration, relâche et monte très lentement, vertèbre par vertèbre. Ok, on va bouger dans une séquence vite et on commencera sur l'avant de notre tapis. Mets-toi en position debout, écarte les pieds à la largeur de ta hanche. Fais un petit scanner, on fait monter cette activation dans le corps, cette énergie à partir des pieds qui reste bien plantée sur le sol. Une micro-flexion des genoux, les fesses contractées, l'abdomen engagé, les épaules vers l'arrière. Inspiration, les bras tendus vers le haut. Et à l'expiration, fléchis les genoux, penche-toi de la hanche. Relâche les bras. Remonte sur une inspiration, dos droit parallèle au sol. Et à l'expiration, plante les mains, glisse le pied gauche vers l'arrière. Pose le genou gauche sur le tapis. Relâche les orteils, inspire, tend les bras, retrouve son équilibre, trouve cette fente basse. 1, tu peux rester là. 2, les mains sur le bassin. 3, croise les doigts, les mets sur les genoux. Et on vient baisser la hanche, ouvrir la poitrine. Regardez vers le haut, peut-être un peu vers l'arrière, en tendant de son plus avec le bassin. À l'expiration, remonte, réajuste tes mains vers le haut sur le bassin. Et lentement, on vient décoller le talon droit. Repose-le. Et on refait ça quelques fois. Décolle le talon droit, monte sur les orteils du pied droit et repose.
Tu peux garder ce mouvement ou rajouter le mouvement de la hanche ou on vient la baisser, poser le talon. Et à partir de ce mouvement, on va construire et on viendra l'agrandir un peu plus. Tu peux rajouter les bras qui descendent quand on soulève le talon. Et après inspiration, les bras qui montent quand on pose le talon. On peut même tendre la jambe droite et retrouver une position bien vers le haut, bien étirée. Deux fois comme ça. Expiration, fléchis le genou gauche, genou droit, pardon. Baisse la hanche. Inspire, monte, tendue vers le haut. Et une dernière fois. Fléchis, descend, baisse. Soit tu restes là, soit les mains sur le bassin ou les fesses pour tirer le bassin plus vers le bas. Soit relâchez la main droite, étirez le bras gauche, incline-toi vers la droite. Reviens au centre et change. Repose la main gauche, étire le bras droit, incline-toi vers la gauche. Expire, relâche, reviens au centre, plante les deux mains sur le tapis, plante les orteils du pied gauche, tends la jambe gauche, glisse le pied droit vers l'arrière. Retrouve une planche, mais comme on est en train de flower aujourd'hui, donc on va trouver une planche vide. Tu peux faire ce qui te semble bon avec la hanche de gauche à droite. On vient pivoter sur les orteils. Et après, retrouve une planche normale. Inspire. Et à l'expiration, regarde vers les pieds, la tête entre les bras, la hanche vers le haut, chien tête en bas. On va faire ce qu'on appelle le spinal wave, la vague de la colonne vertébrale, où on passera du chien tête en bas, se vers l'envers, à une planche. Mais on va essayer de faire ça lentement, avec contrôle, en mouvement fluide. Et comme une vague, on vient faire ce mouvement avec la colonne vertébrale. Peut-être tu voudrais lever la tête et voir la première vague comme démonstration, comprendre le mouvement visuellement. Et après, on va le faire ensemble. Prenons une bonne inspiration. À l'expiration, monte sur les orteils, lève la tête, regarde vers le haut et commence à te pencher vers l'avant très lentement. Relâche la hanche sans poser les cuisses, soulève le buste, retrouve cobra avec les jambes soulevées. Après, fléchis les genoux, pousse la hanche vers l'arrière, tend les jambes. On se retrouve dans un chien tête en bas. Et on refait ça trois fois. Position du chien tête en bas, écarte les pieds à la largeur de ta hanche, ajuste les pieds et les mains, garde un bon appui sur les mains. Inspiration, monte sur les orteils et lentement, déroule les épaules vers l'avant, vertèbre par vertèbre. Baisse la hanche, une voix sur l'avant. Lève la tête, fléchis le genou, reviens vers l'arrière. Deux fois comme ça, et là on synchronise le mouvement à la respiration. Inspire, monte, déroule lentement, vertèbre par vertèbre. Baisse, garde l'appui sur les mains, ouvre la poitrine, regarde vers le haut. Expire, fléchis les genoux, pousse vers l'arrière. Et une dernière fois comme ça. Déroule, lève la tête, regarde vers l'avant. Expiration, soulève la hanche, regarde vers les pieds, réajuste ton chien tête en bas. Pédale ton chien tête en bas ici, on vient fléchir les genoux, comme si on était en train de marcher. Donc marche de gauche à droite, et lève la tête, regarde entre les mains. On va avancer vers l'avant de notre tapis, en faisant deux petits pas, jusqu'à arriver sur l'avant, décoller les bras, courbez le dos bien. Relâchez la tête. Prends une inspiration profonde. À l'expiration, on court et on monte. Lentement, lentement, lentement. Vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Très bien. La même séquence de l'autre côté. Inspiration, les bras tendus vers le haut. À l'expiration, plonge sur tes jambes. Inspire, monte pour avoir le dos. Le droit pareil au sol. Dans l'étirement dans l'arrière de tes cuisses. Expiration. Plante les mains, fléchis les genoux. Glisse le pied droit vers l'arrière. Ajuste ta fente. Après, repose le genou, repose les orteils. Prends une inspiration, trouve ton équilibre et monte. Les bras tendus vers le haut ou bien sur le bassin ou bien les doigts croisés sur le genou. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, décolle le talon gauche ici pendant qu'on vient s'incliner vers l'arrière. Peut-être pas. Garde le talon gauche sur le tapis. On vient juste ouvrir la poitrine. Lever la tête. Regarde vers le haut.
Expiration. Relève-toi, reviens au centre. Les mains sur le bassin. Et là, on vient de décoller le talon gauche et le reposer. Quelques fois comme ça, trouve-toi un point à fixer par terre, quelque chose qui ne bouge pas. Décolle le talon et repose. Si tu es à l'aise avec ce mouvement, alors on rajoute le bassin. Quand on décolle le talon, on baisse le bassin vers le bas. Et inspiration, on repose le talon, on revient un peu vers l'arrière. Commence à agrandir ce mouvement. Et si tu es à l'aise ici, on rajoute les bras. Inspiration, les bras tendus quand on tend la jambe aussi. Et expiration, baisse les mains, décolle le talon, le bassin vers le haut. Deux fois comme ça. Une dernière fois. Expiration sur les orteils du pied gauche, le bassin vers le bas. Soit tu restes là, soit on revient retendre les bras vers le haut. Et on vient baisser la main gauche, tendre le bras droit, s'incliner vers la gauche. Reviens au centre, bouge lentement. Baisse la main droite, étire le bras gauche, incline-toi vers la gauche. Vers la droite, pardon. Gauche-droite. Expiration, reviens au centre, pose le talon, plante les orteils du pied droit, décolle la jambe droite, glisse le pied gauche vers l'arrière, retrouve une planche. Prends une bonne inspiration dans ta planche, à l'expiration, baisse le bassin, baisse les genoux, repose-les sur le tapis, lève la tête, regarde vers le haut. Expiration lentement, en gardant les mains ici, on vient poser le ventre et la poitrine sur le tapis. Ajuste tes mains sous tes épaules. Écarte-les un peu plus que la largeur de tes épaules, la largeur de ton tapis. Prends une inspiration. Et à l'expiration, montons vers la poitrine. Et lentement, on vient décoller le buste, retrouver un cobra. Pense à garder les fesses serrées pour protéger le bas du dos. Et on refait ça quelques fois. Baisse le ventre et la poitrine sur le tapis. Monte en poitrine. Inspiration, remonte. Regarde vers le haut. Expiration, descend. Tu peux rester là, faire ça, ou bien écarter les mains plus que la largeur de ton tapis, en dehors de ton tapis. Les doigts vers les côtés à l'inspiration, la même chose. On décolle. Et remonter. Si tu es à l'aise avec les mains plantées, alors on monte sur le bout des doigts. À l'inspiration, courbe, décolle, monte sur le bout des doigts. Regarde vers le haut. Et descend, fléchis les coudes, écarte-les sur les côtés. Et une dernière fois, inspiration, monte. Regarde vers le haut, reste là ou bien baisse l'épaule gauche vers le centre, regarde vers la droite. Reviens au centre, baisse l'épaule droite vers le centre, regarde vers la gauche. Expiration, reviens au centre. Repose le ventre, pose tes mains sous les épaules, prends une bonne inspiration. À l'expiration, appuie sur les genoux et les mains, pousse les fesses vers l'arrière. Et pour finir, en fluidité, un retour au calme ici. Où on viendra passer du child pose au cobra. Regarde entre les mains, inspire. À l'expiration, essaye de rester vers le bas comme si tu étais en train de tracer une ligne avec ton dos. On vient monter vers le haut et retourner vers l'arrière. Ton dos te sera infiniment reconnaissant après cette séance. On parle de fluidité ou des mouvements inspirés à dos. Ce sont généralement des mouvements, des transitions qui visent la mobilité, la renforcement, la souplesse du dos. Et une dernière fois. Et expiration, les fesses vers les talons. Repose le front sur le tapis, les mains vers les pieds, relâche les épaules vers le bas. Prends une bonne inspire. Ouvre la bouche, expire. Retrouve une respiration calme. Un instant avant de faire la transition, reprendre la vie. On viendra faire quelques réflexions sur notre hydratation. Quand on pense à l'hydratation, on l'associe généralement à l'eau. Mais l'hydratation, c'est aussi le fait de faire circuler, faire bouger cette eau, cette fluidité. Lentement, relève-toi, viens t'asseoir sur les talons.
Eh bien, on prendra un instant de réflexion ensemble pour voir où est-ce que tu voudrais emmener cette fluidité en dehors du tapis. Si tu ne l'as pas encore checké, en plus de cet épisode, il y a la partie réflexion et introspection qui est un podcast. Je te recommande fortement de l'écouter. C'est un exercice écrit. Tu auras besoin de ton bloc-notes ou de ton journal pour venir complémenter cette pratique, ce qu'on vient de faire là sur le tapis. Sache que le corps humain, ou bien l'aspect humain, n'est pas que ce qu'on peut voir avec les yeux. Donc, venir complémenter le mental au corps et les rejoindre à l'esprit vient vraiment te donner les résultats que tu souhaites, encore plus renforcer ton intention. Cela dit, je te remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui. Je te donne rendez-vous la prochaine fois pour travailler sur un autre